Vintage Angel. Bientôt le départ. Départ de cette première course, 1400 mètres à parcourir. Brian Grombati est bien parti avec Magic J qui est sollicité maintenant à l'extérieur. Put Foot Singh, Brian Grombati, Magic J, Put Foot Singh, Yodaman en quatrième position, suivi de Commodus à l'intérieur de Pimpernel, Vintage Angel, Battle Ready, Mr. Oshkosh, Black Gambit tombe au bal arctique avec Brian Grombati qui dirige les opérations. Une longueur d'avance sur Magic J qui pour l'instant fait l'extérieur de Yoda Man. Put Foot Singe en quatrième position. Commodus est cinquième côté corde. En dehors, Pimpernel, Vintage Angel, Mr. Oshkosh, Black Gambit qui déborde lui. Battle Ready à 600 mètres de l'arrivée. Brian Grombati qui n'est pas inquiété, sera dangereux. Magic J qui évolue toujours à l'extérieur. Yodaman a un beau parcours. Put Foot Singe, Commodus n'est pas mal, bien en main, mais doit se dégager de là. Pimpernel avec Mr. Oshkosh qui va commencer son effort. Vintage Angel, Black Gambit va tendre à la ligne droite finale. Battle Ready qui a du mal à suivre. Les chevaux entament bientôt le dernier virage. Brian Grombati qu'il faudra aller chercher avec sous pression. Magic J, Pimpernel lance et Mr. Oshkosh va essayer de contourner le peloton. Brian Grombati est parti, est en train de résister maintenant au retour de Pimpernel qui va essayer de s'amener. Vintage Angel également. Brian Grombati, est-ce qu'il a fait le trou? Oui, Brian Grombati va s'imposer pour la deuxième place. Vintage Angel, ensuite Pimpernel, Magic J et les autres. Brian Grombati et Imran Chisti de bout en bout. Brian Grombati qui était favori de cette épreuve, le numéro 5 qui va l'emporter. Le couloir numéro 3, il est parti devant, nullement inquiété. Et à partir de là, les autres ont dû travailler dur. Imran Chisti qui se rachète bien. La semaine dernière, Belenos a été rétrogradé. Mais pas de problème cet après-midi pour Brian Grombati qui permet à Chisti d'ouvrir son compteur. 20e monte.